Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Écoute, je sais pas, j'ai un espèce de gros point de côté et ouais. J'arrive pas à le faire passer. Bah, déjà, tu peux continuer à masser. Ouais. Et surtout, essaye de expirer plus longuement. Voilà, et de façon continue. Ouais. Inspire. Mais sinon, tu peux mettre tes doigts ici, au niveau des côtes. Ouais. Et continue à bien inspirer. Voilà, tu peux sortir le ventre pour détendre le diaphragme. Ouais. Je sens que ça. Ça va mieux. Soulage un peu. Ouais. D'accord, donc faut pas que j'hésite à appuyer dessus. Voilà, à masser. Ouais. Et tu peux même un petit peu légèrement te baisser. D'accord. Pour continuer à masser et pour relâcher le diaphragme. Le plus important, c'est le relâchement. Donc en courant, je peux ralentir et voilà. Appuyer un peu voilà, dessus. Tu peux si masser. Je peux pas m'arrêter. Ouais, c'est surtout ralentir le rythme de course. D'accord. Et bien expirer. Okay. Et de façon continue et ça, marche. Ça passera. Mais alors du coup, ce point de côté, qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour que, c'est pour que... Du coup, il vienne comme ça Ton rythme respiratoire n'était pas adapté à ton rythme de course. Rythme respiratoire pas adapté à mon rythme de voilà. course. Voilà, tu respirais trop vite en fait. Et donc, ça s'est contracté. D'accord. Donc, ralentir le rythme de course ouais. et expirer, tout simplement. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah écoute. Conseil à appliquer voilà. la prochaine fois avant que ça c'est, soit déjà c'est là normal, c'est récurrent chez les coureurs. Et que ça se mette. Ok, ça marche. Et ben, je te remercie. Bah, de rien.